C'est une piscine où environ 25 000 personnes viennent se baigner par an. Je sais que depuis le début de l'ouverture de cette saison, on a à peu près à 10 000 entrées. La piscine de Gerland, dont l'entrée se trouve à deux pas du stade, doit être entièrement rénovée dans les 5 ans à venir. Des travaux qui perturberont un peu les baigneurs, mais qui permettront de réhabiliter un équipement datant de 1934. Il y a les vestiaires qui nécessitent vraiment un coup de neuf, et également les deux espaces, c'est-à-dire qu'il y a un grand bassin de 50 mètres derrière moi, et puis il y a un autre espace pour les enfants avec une pataugeoire, des jeux d'enfants, qui sont complètement séparés par une tribune. Et l'idée serait de faire une vraie percée sur cette tribune-là pour rendre en fait accessibles les deux lieux en toute sécurité pour les enfants, et puis rendre vraiment le lieu plus attractif pour tous. Pour la ville, c'est donc un gros chantier qui se prépare. Il faut repenser l'équipement dans sa totalité. On a envisagé une enveloppe de 5 à 6 millions d'euros sur la première étude pour ces travaux. On va essayer d'être plus dans le détail pour que rapidement on puisse les lancer.